Bon! Bonsoir. On va jouer FF7. J'ai envie d'avancer. Nous avons la poursuite d'Iris! Et pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord on va aller faire du Fort Condor. Mais promis plus tard. Promis plus tard. Hop là. FF7, quel plaisir. T'as oublié, c'était fort. Je ne perds mes oreilles. Nope. Oups. Pas la bonne save. Sauce. My bad, c'est pas la bonne save. Je pensais. Bread. Alors, précédemment, Iris s'était cassé et on était à Gongaga. Cependant, il faut recentrer ce que j'ai à faire. Là, à l'heure actuelle, j'ai plusieurs choses à récupérer. En termes de, ça c'est bon. C'est en termes de Fort Condor. Fort Condor, on est au fight numéro 10. Que je peux aller faire tout de suite. Le fight numéro 10, c'est un fight qui est un peu plus dur que les 3 précédents, qui sont les 7, 8, 9 que j'ai fait. C'est un fight avec 35 ennemis. Il faut que pour ce fight, je demande aux habitants de s'en occuper. Donc je vais y aller, je vais leur donner de la thune et je vais leur demander de s'en occuper. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je devrais recevoir. Regardez. Hein. Oh. Ah ouais, ok, d'accord. Après, je vais recevoir des potions X. Bon, c'est cool. C'est cool. Même si, bon, maintenant, j'ai des façons de récupérer les potions X de façon un peu plus vénère. Mais bon, c'est pour la complétion. C'est pour la complétion. Autre chose aussi. J'aurais dû aller aux toilettes. Autre chose, j'aurais dû aller aux toilettes. Non. Autre chose aussi. Je récupère Cloud et le reste de mon équipe. Il faut que je refasse un peu mon équipe. Parce que j'ai Barrette qui est niveau 35. Et j'ai qui d'autre? J'ai Kaisit aussi qui est niveau 35. Donc on va prendre Barrette et Kaisit. On va un petit peu les level upper. Enfin, on va faire du level up. On va leur mettre des matérias pour qu'ils se montent un petit peu. Bonjour Spy. Moi je vais très bien et toi? Même si je vais aller aux toilettes parce que j'ai oublié d'aller. Aux toilettes. Oui, donc je disais. Donc là, j'ai. Avant d'aller au continent nord. Sachant qu'en plus, il va falloir que j'aille récupérer la clé du secteur 5. Il faut que j'aille au Fort Condor leur demander de s'occuper. Donc, on va équiper. Tout ce qu'il faut, sachant que j'ai récupéré le stuff d'Iris. J'ai pas elle. Je vais mettre le ruban sur Barrette. Alors, fais voir. Ah, bracelet Giga, c'est un bon bracelet, mais qui n'a pas d'amélioration AP. Ça m'arrange pas. C'est un peu un Shinra 1.0, mais en nul. Enfin, en nul, en pété, mais. On va y mettre un bracelet d'or. Ouais, on va mettre un bracelet d'or. Bracelet d'or et en arme, on a le fugueur au poing. Qui est classique, l'arme qui n'a pas de slot materia. Bon, on va garder ce Vulcan. Très très bien le Vulcan. Voyons voir. Je garde ma strat d'avoir
Il va y avoir Barrett, le healer. Ouais, on va faire ça. Ouais, damn it. Damn it. On va garder les Barrett et healer, mais est-ce que j'ai encore dû restaurer? Alors, j'ai encore des tout. J'ai pas restauré. Damn it. Ok. Parce que mes deux restaurés sont sur. Ouais, voilà, sont sur Cloud et, Cloud et Rouge. Bon. On va récupérer, restaurer tout de Barrett. Pour Barrett. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Oh, je vais lui mettre des. Ah, je vais mettre couverture. Barrett couverture, c'est toujours très bien. Donc, portée de sa Cloud. Je peux lui mettre. Je vais lui mettre des jaunes. Je vais lui mettre sentir. Je vais lui mettre transformer. Je vais lui mettre lancer. Je vais mettre titan. Ça lui va bien, titan. Et je vais lui mettre. Barrière, ça ira très bien. Ouais, quoi que. Ah, si, si, je mets barrière. Pour ce qui est de Cloud, je vais lui mettre à la place de restaurer, ranimer. Et là, je vais lui mettre. De foudre. C'est bien foudre. Mais non, il y a déjà foudre, hein. Lui mettre bonus. Bonne chance pour le voler. Et enfin. Kate Seat. Alors, Kate Seat, faut aussi que je vois. La conque, bah, c'est pareil. Je vais garder mes comme fun vert. Je vais mettre un bracelet en or. Je vais mettre. Mode de fée. Feu. Restaurer tout élément feu. Donc il a une défense de feu. Ramu. Contre-attaque. Volée et talent de l'ennemi. Bon, on est très bien. En termes de matériel, enregistrer un coup. Histoire de. Bon! Allez, c'est parti! Oui, mon. Ah, il est là. Mon bateau est là. Enfin, mon bateau. Faut que je retourne. God damn it. Il faut. Bonsoir. Bonsoir, Brett. Il faut que je retourne chercher mon buggy. Allez, let's go. Let's go, le buggy. Ah là là, n'empêche, c'est une bien triste timeline. Le monde sans Aeris. Larmes. J'ai perdu mon meilleur élément. Oh non. Quelle tristesse. Hop là. Allez, c'est parti. Ah. Song. Ah, un fight. Oh non, un fight. Ce moment où tu te souviens, c'est quoi les conséquences dans ce jeu? Ah, mais c'est vrai qu'il a ruban! Du coup, on perd vraiment les matériels qu'elle a sur elle ou on les récupère? Alors, on récupère tout ce qu'elle a sur elle sans MSF. Vu que c'est un personnage qui est obligatoire à ce moment de l'histoire, le jeu est gentil et te redonne tout ce qu'elle a. Donc je crois même que tu récupères son A. Je suis pas sûr. J'irai vérifier. J'ai fait 6 gigas de princesse, je récupère tout le monde. En tout cas, je sais que j'ai récupéré son... son armure. Son accessoire. Tu récupères son armure? Je sais plus. Peut-être.
C'est pas compliqué, je vais regarder. Bâton de frappe, trident. Bâton plus basique, bâton de garde. Bâton de sage. Conte de fées. Ah non, tu récupères pas l'arme. Tu récupères pas son arme. Dommage. Well, anyway. De toute façon, ça se check facile, hein. J'ai encore la save, je peux regarder. Je peux regarder. Très bien. Non, ça on s'en fout. Attends, juste. Boum. Sproach, même, j'ai envie de dire. Raté. Dommage. Oh le crit. Vas-y, range-moi, ouais. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ah ouh. Ah, il va lancer la main. Ah ouh. Allez, so long. Vas-y, merci, il le. Ouais, voilà, les MP, allez, bisous. Ah oui, hors d'atteinte. Idiot bête. Idiot bête que je suis. Oh, vraiment. Ah non, mais hors d'atteinte pour Gessit. Eh oh, hein. Je vais pas mourir. Ah, merci, bête. Je crois la bête coûte C2, Cloud. Bon, excusez-moi. Je ne fais que passer. Excusez-moi de... Pourquoi c'est au mur? Ça au mur, ça me dit rien. Wait, what? Attends, j'ai même fait gaffe qu'il y avait ça au mur. Mais c'est le Turtle Paradise, un abruti, hein. Un abruti, hein. Si je savais en fait, j'ai déjà vu. Pouette, 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 pouette. Et parti! Un petit save. Avant que quelque chose terrible n'arrive. Alors. C'est parti! Ah mais attends, je suis à mon rouleau. Oui. Regarde pétrifiant sur qui? Ah, sur Kaitsit évidemment. Aïe 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 aïe. Au revoir Kaitsit. Mais c'est sans fat. Ow. Ah, ow. Ça a ou pour lui, hein. Oh non, encore eux. Ah, je rompis, chien.
Oh, je rompiche un peu. Hein. Non, mais pas... Barrette est immunisé parce qu'il a un ruban. Courons de la terre. Hop, boum. So long. Ouh, après le cloud. Ratata. Yay. Repartons par là. Le tour de cette montagne était vraiment inutile. Ok. Ça va pas de crit comme ça, monsieur Cloud? Monsieur Cloudo? En vrai, elle est trop bien son arme, le Vulcan. Vulcan. Oui! Parce que. La roulette. Ça peut être rigolo. Voulez-vous plus de RNG? Moi, oui. Oh, non, pas. Blême. Allez, invocation Titan. Comment ça rater? Ah, parce que c'est une invocation de terre. Oh. On me souhaite. Mais tu vas lire, on me souhaite. Des bisous. On va, on va faire un truc. On va échanger de matériel. On va échanger de matériel de Barrette et de Kaycite. C'est qu'on va échanger talent de l'ennemi. Avec couverture. Et que derrière, lui on met en arrière ligne. Voilà. D'ailleurs, attends une seconde. J'ai oublié que ce son est horrible. Titan, Ramu et Odin. Où est Bahamut? Bahamut est là. Bon, je voulais pas faire ça. C'est bon. Poète. Oula. Ah, vous. Vous ici. Petit soin de Barrette là. Wouh. Allez, 5 carnes à voler dessus. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis mauvais? Rien à voir, mais je le sais. Boum. Brata. Oh, crit. Critical.
Boum. Bam. Le délai qu'il y a avant que cet ennemi meure est toujours hilarant. Le fusillard. Bon, c'est l'ennemi qui me donne plus grand chose maintenant en XP en thune. Hein. C'est un peu ridicule. Non, que je suis con! Non, récupère ce buggy, sinon tu utilises pas le buggy pour le cargo, abruti. Allez, paye, tiens, prends tes sanguilles. Voilà, je te sauce quand même pas mal, hein. À dire. Allez, bisous. Hein. Des bisous. Je vous sauce quand même vachement. Un jour, hein. On va y arriver, hein. De l'autre côté. C'est long. C'est un peu long. Ouais, mais contrairement à avant, ça met pas une heure pour faire ça les retours. Parce que je me fais pas déboîter par tous les mobs du monde. Enfin, moins déboîter par tous les mobs du monde. La nuance est là. Bon, allez. S'il te plaît, mon gars. Oui. Ouais, du taxi. L'autre côté de la ville d'Androgyne. Et en plus ça c'est des moments d'histoire où il va falloir que j'enchaîne de nouveau les allers-retours à l'infini. Bon. Habitude, d'habitude. Et du coup c'est bien parce que je vais bien farmer. Direction le Harkonnen. Oh. Ouais, juste pour faire quelque chose. Ouais. Le healing. Merci Ketsite. La mort des ennemis. Merci Barrett. Allez, montons à cette échelle. Petit repos, petit sauvegarde. Ah ouais, prenons un peu de repos. Faisons ça. Très bien ça. Petit sauvegarde. Les petits sauvegardes. Ici. Hop là.
Et donc, on ne fait pas le fight. Il faut qu'on dort, on va leur demander de se débrouiller sans moi. Contribuer. Quoi, tu peux nous donner? Bah, je peux te donner 3000. Vas-y, go. Rien pour le moment. Voilà. J'ai laissé s'en occuper. Je vois très bien. Peut-être une occasion de combattre encore ensemble, encore une autre fois. Voilà. Donc, ce 10e fight du Fort Condor est fini. voilà. Tu as été très rapide. Je croirais presque que j'ai fait un aller-retour pour rien. C'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et non, maintenant on va aller ailleurs. On va aller ailleurs, on va retourner au Tiny Bronco, direction le nord. Bon, mourrez s'il vous plaît. Allez. On meurt, voilà. Des mains de Barrette. Yay. Super potion, merci. En vrai, bien, super potion, je prends. Quelle joie. Quelle sérénité. Ah mais non, je vais te parler, débilous. Tiens, t'as 10 guilds, ce petite monnaie là. Ouais, ça mange, c'est rien. L'ascenseur, l'ascenseur, ouais, l'ascenseur. L'ascenseur, l'ascenseur, ouais, l'ascenseur. Tu sais, garde. Ici, là, voilà, ici, juste ici. Voilà. L'équipe des gros bourrins n'empêche, hein. Entre Barrette et Kate Seat, c'est la largeur. Comme mon épée. La largeur. Wait. Attends. C'est une affiche du Tortue Paradise? Fais pas! Tourne-toi! Connard! 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 Ah non! Croyez. T'aurais pu, hein! T'aurais pu, hein! Alors que c'est les quêtes qui servent à rien! La quête des affiches du Turtle Paradise, c'est vraiment une quête qui sert à rien! Punaise! Bah, ça sert à rien! Non, techniquement non, tu reçois des sources. Sauf que... En mode de difficulté... Ah, ce hard mode... Elles servent à rien, les sources de rapidité, de pouvoir, de vitalité et aux sauces. Elles servent à rien. Elles sont pas utilisables. Donc quel est l'intérêt que j'ai? La complétion. Petit bateau sur l'eau. Nya 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 nya. Petit bateau sur l'eau. Nya 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 nya. Petit bateau sur l'eau. Pardon, j'arrête ça tout de suite. Je fais n'importe quoi. C'est catastrophique. Thank you.
c'est long. C'est très long pour se garer. Et plus je le fais, et plus c'est long. Quel enfer. Je l'ai parcouru très souvent cette map quand même. Bon. Retournons notre cher Tiny Bronco. Mais d'abord... C'est save au cas où. On sait jamais, hein. On sait jamais, hein. Même si je peux plus me faire pétrifier à l'infini. Merci le ruban. Merci le ruban, hein, encore une fois. Mais y a ces petits bâtards là. Ok. Bon, oh, vas-y, pute-les. Bonjour. Yay. Voyons voir. On est bientôt arrivé au team. Ouais, enfin, je dis ça, mais il faut traverser tout le canyon. C'est quoi le hard mode? Ah, alors. Deux secondes, je fais ce fight et j'explique. Oh, en vrai, ça devrait aller. Alors, le hard mode, en gros, c'est un mode de difficulté qui vient d'un mode pack. Le mode pack. Alors, ce mode de difficulté est écrit par Mexico. Mais le mode pack que j'utilise, c'est le mode pack Satsuki Yatoshi. C'est un mode pack qui est. Ok. Qui est très pratique. Parce que il permet, par exemple, bah, d'avoir ces modèles que j'utilise qui sont bien mieux. Basé sur les artworks officiels des personnages. Et le hard mode, donc, c'est un mode difficulté où les ennemis sont vénères. Ils ont par exemple des nouvelles attaques, leurs attaques sont modifiées. Il y a des ennemis. Par exemple, dans cette zone là, il y a. Alors, je sais plus comment ils s'appellent, mais les espèces de chiens là qui pétrifient. Voilà, bah eux exactement. Et ben au lieu de mettre un compteur de 60 secondes au bout duquel tu es pétrifié, ils pétrifient instantanément! Parce que sinon c'est pas drôle! Et voilà, le jeu est assez injuste. Enfin, injuste. Il est vénère. Voilà, allez, au revoir Gessit, au revoir Cloud, merci, bisous. Heureusement j'ai le ruban sur Barrett, parce que sinon c'était compliqué. Et Barrett, tu vas les finir. Mais ouais, c'est vraiment le mode de jeu où le jeu. Bah, passons. 91 game over, c'est pas pour rien. C'est pas parce que je suis une branque, c'est parce que le jeu il te. Palmer! Palmer! Encore une fois! Quel enfer! Première fois que je me dis. J'ai pas envie d'affronter Palmer. Ok, let's go! Mais de rien! Il existe un autre de mode difficulté qui s'appelle New Threats. New Threat? Bref, un truc du genre. Qu'on dit NT généralement dans la communauté. Mais je l'aime pas parce qu'il dénature un peu trop le jeu. Il rajoute vraiment plein de mobs qui n'existent pas. Il rajoute des. Genre, j'ai vu des images d'un soldat Shinra géant modifié. What the fuck? Bon. Pas forcément envie. De rendre le jeu bizarre. J'ai juste envie de rendre le jeu dur. Oh, ça marche pas ça? Beau. Ow. Ah, un petit vent blanc, allez. Mais il va falloir se calmer, messieurs dames.
Y a un truc à voler sur eux. Un truc à voler sur eux. Ok, ok, regarde. On s'occupe. Boum. Non, c'est Kaisid qui a eu le kill. Je veux que ce soit Barrett. 66. Ah vraiment. Je play au 8 en ce moment. Excellent jeu FF8. Pas du tout comparable en termes de difficulté par contre. FF8, la difficulté elle est pas quantifiable. J'avais joué à fond en 7. Alors j'ai joué 15, oh, j'ai compté réellement, je crois que j'ai joué 15 fois au 7, dans jouer au 7, c'est un de mes jeux, c'est mon jeu favori of all time. Maintenant, je suis obligé d'y jouer de façon modée, sinon je m'ennuie. Le jeu sinon est un peu trop facile. Surtout si tu bosses à fond. FF8 c'est trop bien, je me suis trop amusé sur FF8. Mais j'aimerais vraiment essayer de le modder pour avoir, en fait, pour avoir FF8 remastered et ses modèles du feu de dieu et des modèles de, enfin des backgrounds refaits, parce que maintenant avec donc un Moguri mod sur FF9 et donc Sasuke Yatoshi ou autre voilà sur FF7 où t'as les backgrounds qui sont refaits. Et vraiment, le problème du remaster FF8, c'est les backgrounds sont flous. Ils sont flous, bordel de merde. Donc voilà, j'aimerais juste voir, j'aimerais trouver un mod pour pouvoir avoir des backgrounds HD. Je suis sûr que ça se trouve. Je suis sûr que ça se trouve. J'avais pas dit que j'allais au Nord, moi. J'ai pas dit que je voulais aller au Nord, moi. Je suis un petit peu un abruti, peut-être. J'aime le 8, 9 et 10. Réellement, après, ça commence à changer. Alors, j'ai joué... Alors, je peux pas dire que j'ai joué au 13. J'ai joué genre... 20 minutes, allez. Au 13. J'ai vraiment fait l'intro et encore. Je crois que j'ai pas fini l'intro. Le 10, je l'ai pas mal poncé. J'ai jamais fini, mais je l'ai pas mal poncé. Mais du coup, c'est un autre jeu alors, avec des backgrounds de change. Non, c'est pas vraiment un autre jeu. Ils améliorent les backgrounds par IA, les rendant plus nets, moins flous. Parce que parce qu'en fait, ils ont plus ces backgrounds. C'est juste un upscale dégueulasse. Désolé de dire le terme, hein, mais c'est un upscale dégueulasse. Des backgrounds. C'est FF qui fait ça? Comment ça? J'ai pas suivi. J'ai pas compris. Les développeurs d'FF... Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en... Alors... En gros, ce qui s'est passé, c'est que les devs, donc Square Enix, ils ont plus les fichiers d'origine. Ça fait longtemps, d'ailleurs, qu'ils ont plus ces fichiers. Et donc, quand ils font des portages, ils agrandissent et c'est fou. Il y a des gens qui, donc, utilisaient des techniques d'IA pour upscaler, en fait, les backgrounds de façon plus belle. Et me voilà arrivé mon objectif. Là par exemple c'est net hein. Les feuilles, enfin les feuilles sont en premier plan, on se pensait un peu fou. Mais genre l'échelle qui est on voit ma souris, non on voit pas ma souris. L'échelle qui est au fond elle est nette. Et ça c'est de l'IA. Alors c'est imparfait hein, mais c'est cool. Bonjour monsieur. Et les modèles par contre modèles c'est juste des autres modèles. Les gens ils ont fait d'autres modèles qui sont très jolis, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont très beaucoup dans l'esprit de l'original. Bonjour, bienvenue au village des ossements. Yay. Bienvenue quelque chose. Vous avez vu Aerith? Ça serait juste d'afficher le jeu. Alors, ça utilise un modpack qui est donc Sasuke Yatoshi ou appelé SYW, qui est disponible sur le site, sur le forum FF7FR. Voilà. C'est totalement gratuit, ça s'installe très facilement. Il suffit juste d'avoir une copie ou Steam ou CD du jeu. Une copie légale. Et entre la forêt endormie. C'est quoi la forêt endormie?
Où est-ce les anciens? Ah, oh, c'est perdu. Oui. Mais encore. Bienvenue au village de son. Que faites-vous? Nous faisons des fouilles. Yay. La harpunière est enfuie ici quelque part. Pas pour le moment, deux secondes. Bonjour. Mais, non, non, tu veux pas? Bon, tant pis. Bonjour. La technique plus moderne, c'est plus le séisme avec des bombes, puis nous analysons les ondes sonores émises par les vibrations. Bonjour. Bonjour la harpunière. La jeune fille vient d'y aller en y jouer la harpunière pour traverser la forêt. J'aimerais savoir où est cette harpe. Ok. Faire des fouilles demande du temps. Oui, bah ça... Bonjour. Bon, en ce moment, la forêt pionce. Une robe rose et un homme en noir. Sephiroth. Oui, bah ils vont sortir. Non, ils vont pas sortir. Well, anyway. Bonjour, monsieur. Alors, attends, je vais chercher quelque chose, voir. Bracelet de diamant. Ouh, bracelet de diamant, fais voir. Ah, mais j'en ai pas. Et bracelet unique. Oh, double. Je vais peut-être acheter deux bracelets de diamant et deux bracelets runiques, on va voir. Il me faut des éthers, j'en ai plus. Il me faut des calmants, j'en ai plus non plus, beaucoup. Tente 2. Allez. Phoenix 2. Ok, je me suis un peu ruiné, mais c'est pas grave. Comment on va creuser? Alors, un trésor intéressant. Un homme à cet endroit-là. Donc là. J'ai deux trésors à récupérer ici. La harpunaire, évidemment. Mais pas que. J'ai aussi la clé du secteur 5 à récupérer. Est-ce qu'il faut que je parle au mec du secteur 5 à la base pour ça? Comment faire? Je sais plus, ça y est, je sais plus. Terminé. Ah, il faut faire témoigner. Alors, les hommes ont mesuré les secousses et repéré l'objet déterré. Leur garde fixera sans passement conseil des fouilles. Alors, c'est vers là-bas. Oh, c'est même plus vers là en fait. Changer. Allez, fouille par là, s'il te plaît. Il n'y a rien dedans. Damn it. Je vais réfléchir. Que me suis conduit? Voilà, harpe lunaire. Du coup. Ici. 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 Et ici, j'espère qu'il nous reste de la thune. C'est parti! Oh là, ok. On est plus sur ça. Alors attends, ici et ici? Je dirais ici? What?
Mais t'as mis Saul ? L'arbre lunaire ! Je suis un peu triste en vrai, hein. Attends, c'est quoi ? Là. Je vais l'avoir, hein, je vais l'avoir. Ici. Bon, je suis bien content de monter quand même, hein. Ici. Voilà. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Et ici. Voilà, je mets du monde. J'ai dépensé sans compter pour avoir cette harpe lunaire. J'espère que c'est pas une vanne. Merci, harpe lunaire. Alors, attendez. Harpe lunaire. Donc, il faut que j'utilise la harpe lunaire dans la forêt endormie. Et ce sera bon. Allez. Ouais. Demi-tour. Demi-tour. Je vais retourner au Fort Condor. Oh la vache. Excusez-moi. Et en vrai, je vais même aller jusqu'à Minicar. Voilà, je reviens. Ah oh, mon dieu. Ah oh, quel enfer. L'enfer. Oh, attends une seconde. Est-ce que... Oh, oh intéressant. Est-ce que je peux arriver... Je me suis passé par là en vrai. Je vais faire ça en fait. Vas-y, je vais faire ça. Ah, je vais faire le tour par là. Ce sera mieux. Oh, bonjour. Ah. Vie. Ah, ça veut dire dame chance. Du heal. Wow, cat lady. Die potato. Ça s'appelle de l'overkill, ça, monsieur. Cool. Ah non, je... Ah si. Secteur 7, ça. Bah, c'est secteur 7 que je vais aller. Attends, est-ce que... Ah, on est pas... Attends. Comment ça, je suis devant le secteur 7? Non, bon, je suis sur le secteur 5. Attendez une seconde. Je me souviens plus. Ah mais c'est CD2 ça. Oui, je, oui d'accord, c'est CD2, je suis un abruti. Je suis un abruti, c'est plus tard. C'est plus tard. On va faire un arrêt à calme. On va checker On va checker quelque chose.
Oh oh. Ok. Bombardement, allez, mourrez! Oh là 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 là. Et boum. J'ai pas... Oh, la thune qui me reste, mais en compte, c'est une catastrophe. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je fais passer. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Non, c'est pas chez eux. Dommage. Pas la bonne maison, excusez-moi. Ici. Hop là. Bonjour. Mon papa me manque. Ouais. Ok. Ah, tu me dis ça? Mais, merci. Ok. Le ninja. Faut que je trouve le ninja. Faut que je trouve le père. Il est où? Attends, fais voir la map. Une île au nord. Aucune idée. Aucune idée. On est content de viser dans le trou. Bon là par contre pour les level up ça va être compliqué hein. On va se mentir. De toute façon, là, je suis parti pour faire des kills gratuits. Hein. Bonjour. Bah non, c'est pas volé. Oh, quand même super potion, j'apprécie. J'apprécie, j'apprécie grandement. Puis-je sauvegarder, s'il vous plaît? Merci. Ah, deux secondes, je vais sauvegarder aussi, là. Voilà, je vais utiliser la harpe. Et plein le traverse, malgré le Zolom. Le Midgal Zolomu. Zolomu. Mais bon. C'est qu'un rigolo un peu nul. Ah, je peux juste lui faire laser en fait. Voilà. Laser. Des beaux dégâts. Ok. Boum. Oui, bah vas-y, bêta.
J'ai pu level pour me faire one shot par bêta. Vas-y, hein. T'es qu'un simple serpent, mon gars. Ben. Oui. Non, c'est rien, c'est des câlins, ça. Bisous. Bon. Sérieux, s'il vous plaît. 400 guis. 400 guis, seulement. Il a foutu des efforts en plus. Non. Ciao. Traversons la millimétrine. En toute impunité. Et hop là. Dans deux secondes. Voilà. Bonjour, Fort Condor. Oh, damn! Oh, crap. Oh, je suis un débile. Je suis débile. Oh, je suis débile. Avec quel argent je vais le Fort Condor? Avec 8000 balles là? Oh, je suis débile. J'ai tellement claqué ma thune, quoi. Oh, oh, je suis débile. Ok. Ok, ok, on va vendre. Hein. On va vendre. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ça vaut pas rien, ça. J'ai pas revendre des armes. C'est trop important. Ouais, un peu de point d'or, vas-y. Ça vaut rien, ça. Oh. Attends. Là, tu veux pas utiliser les sources. La source de chance, ça sont. Je vais vérifier, hein, mais j'ai pas l'impression. Hein. Ok. Donc, c'est bien ce que je pensais. Les sources sont complètement désactivées, donc je peux les vendre. On va faire ça. Elle me pourrisse un petit peu mon groove, j'allais dire. Pourri mon groove. Elle me pourrisse un petit peu dans mon terre. Donc on s'en débarrasse. Quatre orifices. Attends, regardez.
Quatre orifices, la merde. Donc j'ai une brasserie runique qui est la même chose, mais en mieux. Donc, 4 orifices, je peux m'en débarrasser. Bracelet d'argent aussi. Oh, bracelet platine, lui. Shinra aussi. Carbone. Carbone Shinra. Attends. Carbone Shinra. 4 orifices, déjà. Donc, bracelet carbone, bracelet Shinra et 4 orifices. Alors, 4 orifices, je vends. Il est où? Il est où Shinra 2.0? Shinra 2.0. Armure Shinra 1.0, pardon. On peut lui vendre. Brasset de carbone. Je vais se débarrasser. C'est rare. Ah, c'est mieux ça. Le bracelet de platine, je peux m'en débarrasser aussi. C'est l'argent de la merde. Brasset de platine. Brasset de platine. Il est où? Il est où? Brasset de platine, là. Voilà. Nice. Et donc, du coup, on est à 17 000 balles! Voilà qui est déjà plus raisonnable. Oh, 34h34. Nice. Nice! Joli! Bonjour. Allez, au moment, ils sont pas loin, tenons-nous prêts. C'est parti. De 40, baisse pas ta garde. Oh oh. La musique a changé? Oh, j'ai des trucs en moins. Ah non, c'est bon. J'ai peur. Ok, ça commence très fort. Ça commence très très fort. Il me faut absolument une soigneuse. On va dire plusieurs soigneuses. Ça, ça va être un peu compliqué. Toujours la même strat. Voilà. Allez. Bam badam. Hop là. Toi, tu vas aller là, s'il te plaît. Toi, tu vas aller là. We'll be right back.
Hop là. Allez, on soigne des gens. Ok. Let's go. Oh, toi tu recules aussi. Allez, c'est parti. Ok, nice. Bon, toi t'es très bon mort, toi. Putain, il poursuit, hein. Pas lui. Soigne lui, s'il te plaît. Yay. Va te faire soigner, s'il te plaît! À toi. Ça, t'es bien. Oh là là. Attaque! Je crois qu'il aille passer à droite, putain. Alors peut-être. Alors peut-être, alors. Is it the real life? Merci pour la thune. 2-5 potions X. Oh, en vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien. En vrai, j'apprécie, bro. What? J'apprécie, bro. Vraiment. Bon. Nous allons retourner à la cité d'anciens. Enfin. À Veracruz. Hop là. Oui, prends un peu de repas. Oui. On se repose. On repiche. On fait demi-tour, on va aller rechercher le Tiny Bronco et les autres.
Et en vrai, avant de faire la cité des anciens... Ah non, mais je peux commencer la cité des anciens et revenir plus tard. Alors faisons ça. Ah, de toute façon, il y a un moment où je vais faire une pause dans la cité des anciens pour me barrer. Donc, et revenir ici, encore une fois. Pour le 1000ème épisode de... Oh ben je vais en faire un condor hein. En vrai, c'est bientôt fini, les allers-retours au Fort Condor. Très bientôt. Enfin, les allers-retours incessants au Fort Condor et chiant à pied. Bientôt, ce sera... En volant. Bye, potato. Premier dégât. C'est peut-être plus overkill. Un petit peu. Ah oui, en fait, j'oubliais. Azakour, je vais le garder. Par contre, toi, t'as le bracelet d'or. Je vais mettre un bracelet de diamant. Je vais mettre un bracelet d'or. Je vais mettre un bracelet runique. Plutôt. Attends, quoi que ça dépend. Non, c'est à toi que j'aurais dû mettre un bracelet runique. Attends, non, bracelet runique pour toi et bracelet de diamant pour toi. Voilà. Donc c'est à toi, je peux te mettre CD. Et toi, ça change absolument rien, sauf que tu vas faire monter. Ouh. Des ouais. J'aime bien. Reflet, ça peut être bien. Ok. Petite save. Voilà, on n'est pas fou, on va traverser le marais. On sait jamais. On peut se faire. Oh, ça va être rapide. Ah, la tête de fight. Dommage. Coffre à jouer. Oh. De dégâts, c'est des bisous. C'est au ciao. Ciao, Cassite. À plus tard. On se voit après. Hein. Oh, seulement 900. Sérieux? Un peu déçu. Ouais. Oh. Méta. Pas vraiment inquiété par l'utilisation de bêta, hein, on va pas se mentir. Mais c'est que des bisous. C'est que des bisous tout ça. Voilà, voilà. Que des bisous. Bagatelle. Deuxième fight. Ah, c'était ça risquait d'arriver. Pas grave. On recommence. La même. Non. C'est littéralement la même pour l'instant.
Ah, au revoir, Cloud. Des bisous. C'est l'heure du bêta. Bouéou. C'est Nicolas. Non. Même. Au cas où, hein. Nous ne prenons pas de risques ici. Nous aimons seulement jouer avec le danger. Nous aimons vivre dans le danger. Allez, super garde parce qu'on n'est pas fou. Allez, barrette, allez, barrette. Bratata ? Non, toujours pas. Non. Maintenant ? Bon, c'est Kaisid qui l'a eu. Ouais. Allez, on va faire une petite halt ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Excusez-moi. Pouette, 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 pouette. Excusez-moi. Bienvenue. Oui. Hop là. J'aimerais dormir. Sans glisser, c'est voler. Cœur cœur. C'est volé cœur cœur. Hop là. Question. Vous vendez toujours pas de d'enclos. Vous vous en rendez toujours pas d'enclos. L'élevage de chocobo, c'est pas pour tout de suite. Mais bientôt. Bientôt, ce sera le moment. Le moment d'aller à la chasse au chocobo doré. Le chocobo doré. Oui. Oui. C'est un chao. Chao des ennemis, hein, mais c'est un chao. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Mmh. 900 de dégâts, quoi. Ça va, Cloud, c'est pas trop mal. Ah là, la batte cloutée quoi. La batte cloutée. La batte cloutée. Bon, bon, bon. Ah, vous. Thank you.
Vous ne donnez plus rien, c'est une catastrophe. Bon allez, c'est bon, on se casse. Ça mène à rien ici. Ça ne mène à rien. Je fais que passer. Hop là. Ok. Ah oui putain, je connais pas. J'aurais dû sauvegarder. Oula. Oula oula oula. Je suis pas rassuré. J'avais oublié cette sensation de découvrir des ennemis dans... c'est trois parties différentes là avec des modes. La partie que j'ai fait dans mon coin, la partie progressive et la partie là, c'est la première fois que je suis ici. Et je panique. Et c'est la panique. Je vais aller sauvegarder. Attends deux secondes. J'ai peur. N'aie peur. Putain. J'arrive. Putain. Allez, on y retourne. Ah oui, alors je voulais regarder. Normalement, là, j'ai les trucs à voler. J'ai les trucs bien à voler. Et est-ce que j'ai les talents de l'ennemi à récupérer? Je crois pas. Je crois que maintenant, tout ce que j'ai récupéré, ça va être Grotte Nord. Donc, Ah, ça, j'ai pas récupéré ça. Grotte Nord. Bon. J'ai pas grand chose d'autre à récupérer avant. Et là. Là j'ai encore des trucs à faire avant. Je garde ma roadmap hein. Alors. Alors est-ce que c'est eux? C'est une très très bonne question. Peut-être heal. Pardon.
Ok, ok, ok. Ok, let's go. Oh, par contre, j'ai gagné la limite. Rien satellite. Ok. Je prends. Avec plaisir, même, je prends. Par contre, hop. Ça fait chier. Ça va faire du gaming par ici. Bah, prochain point de sauvegarde, ouais, pourquoi pas. Bac d'eau. Alors, ah ouh, ok. Ah bah c'est très bien, parce que du coup, je vais pouvoir avoir l'info que je voulais. À savoir, c'est, est-ce que c'est ça? Mais l'anneau danseur, donc c'est pas ça, on s'en fout. Aïe. Aïe. Ok. D'accord. Peine de mort. Vas-y. J'ai rien à dire. Peine de mort aussi. Très bien. Quoi? Il meurt après peine de mort? What? C'est genre un râle d'agonie. Ok. Très bien. Oh, hein. Oh, encore eux. Oh non. God damn it, quoi. Ok. Ah, il met du cassite. Ah, bah, tout est. Ils ont des trucs à voler peut-être. On va essayer. Oh, des queues de phénix. Vas-y. Le coffre à jouer. Oh oui. Blême. Le gros chocobo. Ok. Raté. Dommage. Thank you.
K.O. Oh, vraiment. Aïe. Encore. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'attaquer? Il attaque tout le temps. Oh, vas-y. Blême. Je t'ai écrasé par du chocobo. Qu'est-ce qui sort 50 fois le, sa limite quoi. Bam. Visite toi. Oh c'est bon, m'a saoulé. Meurs. Ah merci. Ok. Ah ouais, je suis bientôt au point de sauvegarde. Nice. Ah! C'est quoi ça? Oh les machins. C'est quoi cette merde? Rien à voler, ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Affamé? What? Mais c'est ça, ouais. Oui. Marteau magie, c'est trop bien. Ah, dommage. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Ah non, il a mangé Cloud. Rends-moi Cloud, s'il te plaît. Il a mangé Cloud! Bah! Au lieu de nuit, il mange Cloud! Cloud s'est fait manger. Quelle horreur! Voilà! Allez! C'est l'heure de la sauvegarde! Peut-être une bêtise. C'est bon, je vais revenir là. Ok, c'est bon. Allez, je m'arrête là. Wouh. Bon. Eh ben, C'était rigolo. Bisous.